Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfank pour un nouvel épisode de Fallout 4. Dans cet épisode déjà. Oh ! Ah oui, oui, mais oui, mais non, mais c'est ce que j'ai éclaté la dernière fois et qu'on n'a pas apprécié que je descende. Oh là là. Les gens n'ont pas d'humour. En tout cas, toi, t'as une certaine classe. Si on veut attraper un truc, faut d'abord le chasser. Si tu portes un collier, c'est parce que tu l'as demandé. Personne ne devient esclave sans moi. C'est pas facile de gérer le zoo. On a tous un rôle à jouer. Bon, si vous passez par là, c'est que c'est safe. Hein. Ah, je vais pas recharger, d'accord, très bien. On voit ça. Hop, 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 hop. Et bah, c'est parti, on avait découvert le Safari Park là. On avait découvert. Aventure Safari. En passant à côté, hein, par inadvertance, on va aller donc tout découvrir. C'est le parc du jour. Celui-là, il ira à la meute. Ça me paraît évident. Ah ouais, c'est vrai qu'ils veulent se prendre pour des dangereux. Vous êtes des thugs. Putain, vous avez repop ou... Ou j'avais oublié de vous descendre du coup. Ouais, j'ai dû oublier de les redescendre. Très bien, Suzy. J'apprécie beaucoup. Et en plus, j'ai beaucoup de munitions. Ça me va très bien. Je suis heureux. Bon, il prend beaucoup de place sur l'écran. Bon. On va dire que sa balle prend beaucoup de place dans la bouche des autres. Ouais, il faut penser à le dire. Ok. Donc pour l'instant, ce qu'est en train de nous dire ce parc, c'est que potentiellement, on va trouver des vaches. C'est un parc très méchant. Un parc avec des vaches, mangeuses d'herbe. Attention, hein. Attention, attention, ça nous promet de la méchanceté, hein. Vraiment, ça a l'air sauvage. Hein. Ok, donc on va finir de faire le tour de l'avant de ce parc. Là. Là, on est dans un entre-deux parcs. C'est parce qu'il y a un parc. Il y a trois conneries. Trois conneries, rien qui ne justifie que je saute en bas. Ouais, je vous fais ce cadeau, vous avez vu. Vu la taille des épisodes, vu votre assiduité d'ailleurs pour laquelle je vous remercie. Ouais, ça a l'air d'être mieux hein, l'image. Hein. Oh, ça a l'air tellement mieux l'image. Incroyable. J'ai fait des petits réglages. Hein. Je pense que là ce sera nickel. Mais bon, personne ne se plaint jamais, personne ne dit rien. Donc c'est formidable, non ça c'était une saccade interne au jeu, ne hein, t'inquiétez pas. Ça arrive aussi, hein. C'est un jeu bug des stars, il faut que ça réfléchisse. Le Dry Rock Gulch. Un caribou. Des tonnes de caribous. Caribou! Oh, caribou un peu loin! On va se rapprocher du caribou. Là, il est bon. 85, oh, pas encore. Vite plus avant qu'il disparaisse derrière la bouteille. C'est bon, je l'ai! Incroyable! Incroyable! Cette chasse au caribou complètement injuste, hein. Oh! Et la tête, hein! Alouette, comme on dit dans le milieu, hein! Bah, je crois que c'est ce qu'on dit. Je suis pas formel. Ok, donc j'ai tué une bestiole. Je vais mettre un peu de lumière. Hein. Ah, ça faisait un bien temps en épisode hein, sous pluie, hein! Ça faisait. Et encore, il fait jour, hein! Attention, hein. Ah, il fait jour, c'est fou, hein! C'est fou, on s'éclate, on s'amuse, on se dilate la rate, hein! On se l'explose, hein, tranquillement! On se l'explose tranquillement de rire. Alors. Ça s'enregistre rien du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Que voient mes yeux d'elfe? Alors, j'ai pas de yeux d'elfe. Et je crois pas que j'ai une distance d'affichage qui va avec. Il y a un truc hein, potentiellement en parlant. Allons voir. Hey, il y a un truc là-haut.
Il y a un truc là-haut. On va aller voir aussi. Ah ah! Il y avait une fleur. Ils avaient bien planqué leur fleur, hein. Mais j'ai tout de même su la trouver. Et hop, une sanguine. Ah, je suis un monstre. Je prends tout le loot, hein. Tout le loot. Où tu le loot. Waouh! Alors lui, il est magnifique. Lui, attention. Lui, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Regardez-le, il est splendide. Il est magnifique. Oh, polo. Un Behemoth ancien. Traduction, ça fait longtemps qu'il traînait dans le coin. Alors attendez qu'un super mutant c'est radioactif. Il est possible qu'il soit là depuis des siècles. C'est possible qu'il soit là depuis des siècles. Bah non, ça fait combien de temps qu'on joue déjà après plein les bombes? 100 ans? Même s'il est là depuis que quelques années. Ancien, ça veut dire, ouais, ça veut dire que c'est un des premiers Behemoth, quoi. Oh, l'énorme planque. Oh, elle était géniale ta planque, mon pote, hein. Franchement, GG. Très bonne planque, hein. Ok. Mais ça c'était vraiment cool. Par contre, voilà, encore une fois, c'est dommage. C'est hors map, c'est uniquement pour les curieux. Et en plus, c'est bien caché, quoi. Et il y a après tous ces gens là, un opérateur bouché, ouais mais ça c'est que des gens... Et là-haut il y a quoi? Ouais mais là-haut c'est quoi? Attendre qu'ils se règlent tranquillement entre eux. Pas pressé. Alors c'est quoi là-haut? Ah c'est des artilleurs. Bon. Bah je vais regarder encore les pillards vous défoncer, parce que c'est encore les pillards qui vont vous défoncer. Incroyable, ça balance des grenades, des lance-missiles, c'est la guerre. La guerre. Alors moi je vais faire une petite sauvegarde rapide parce que je vais essayer de me faire quelques cadavres, vous voyez, tranquillement. Ouais mais non parce que sinon Gadjo va me dire quelque chose. Ouais, je fais des balles perdues comme ça, je fais... Oh c'est pas toi que je visais hein. Bon il est possible que si en fait. Je leur file un petit coup de main. Tu prends tes balles toi? Ah si. Mon collègue il le vit bien. On va chercher le loot tranquillement. Normalement j'ai participé à équilibrer un peu le combat. Je donnais un peu l'avantage aux artilleurs au départ. Puis je leur ai rendu l'égalité. Pas l'air vouloir de se descendre vraiment ces deux là. D'autres en train de se faire des mamours.
arrive pas, hein. Il va pas réussir à le tuer, hein. Bah, l'autre, il est full life, quoi. Non, mais lol. Tu m'insultes, là. Oui, des artilleurs, mais artilleurs avec une tête derrière le pilier, c'est pas évident. Voilà, c'est bon. Il y a un torchon. On a fait tout ça pour un torchon. Tout ça pour un torchon. C'est intéressant. S'il en est. Ouais. J'avais laissé un capitaine en effet par là. Oh. Moult gens. Non. Voilà. C'est ce que je voulais. Merci. Là, c'est la fin du monde, hein, c'est ça. C'est bien ça. Bon, déjà, je suis étonné parce qu'il y a un peu plus de choses à voir en dehors du monde. Il faudra que j'aille jeter un oeil, donc, du coup, par là. Parce que, oui, il y a beaucoup de choses. Regardez, cette zone-là, par exemple, est extrêmement vaste et il y a quelque chose au bout. Mais quoi? Telle est la question. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous êtes déjà allé. Mais avez-vous tout trouvé? C'est ça, la question. Et vais-je tout trouver? C'est encore une autre question. Comment cela va-t-il se passer? Ah, probablement en marchant à pied. Et en utilisant le gamepad, dans mon cas. Incroyable. 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 Non, ça va. Ça va. Comment? Ouais, c'est comme ça. Toubib. Bah. Wow, on est passé de pluie à plein cagnard. Eh, il y a un truc là-bas. Déjà, il y a quelque chose sur site, c'est intéressant. Pardon. Ah, faut vraiment leur visser leur petite tête, hein. Et encore, c'est même pas sûr que voir. Ah non, c'est ça, hein. C'est blindé tout court, hein. Ok, bon bah si c'est blindé tout court, c'est parti. Ouais, non, mais j'ai tiré dans la seule partie qui était pas à 95. Non, ça fait plaisir, hein. Ah mais lol. Ah mais toi, t'es albinos, non? Je tire, c'est pareil. Bon, tu sais quoi, je vais tirer dans ta patte droite. Je vais voir comment ça se passe quand tu fais une patte. Bon bah ça se passera pas. Ah t'es mort. Eh, c'est un grillon des cavernes tout court, toi. Pas dingue le grillon, hein. Ça fait pas de dégâts. Après c'est blindé de partout. Mais ouais, bon, c'est histoire de rajouter un rat de cafard. Après je comprends, hein, c'est RP, hein. Moi je suis d'accord avec ce genre de bestiole, c'est à dire que même si ouais ok d'accord elle est pas très forte machin, elle est plus là pour faire joli qu'autre chose. Bah ouais, mais c'est du lore en fait, c'est vraiment une bestiole qui est là. Et puis c'est une bestiole qui réussit à vivre parce qu'ils attaquent bah plusieurs des mecs comme ça isolés. Voilà, comme ce mec là par exemple, complètement isolé, qui semble s'appeler habitant.
et qui semblerait être une goule. Oui, vas-y, cours, raccroche-toi à la vie. Qui est parti fusée. Oh, les mecs, ils essaient de fabriquer un véhicule, une fusée, n'importe quoi, j'en sais rien, mais fabriquer un truc. À partir d'auto-tamponneuses et autres conneries similaires. C'est trop bien. GG. Contre, si je peux vous donner un conseil quand vous êtes en mode loose day dans la pampa, accrochez peut-être pas des toiles rouges. Ah. Ou essayez de bien vous calfeutrer. Voilà, une cuitochette, youpi. Bravo. Ok. Après, il y a d'autres choses forcément effectivement par là, mais du coup, c'est pas trop ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de retourner à Golfing Rush, Golfing Rush, je crois. Finir de dépouiller les gazelles que j'y ai butées, que j'ai butées là-bas. Tic et tac. Intéressant, hein, ça fait quand même beaucoup de choses autour du parc et pas juste le parc intramuros. C'est presque dommage en fait que ce soit un soit pas assez exploité ou deux quoi, je suis déjà trop lourd. Sérieusement. C'est de la merde. Si vous saviez à quel point. Ah ouais, ça j'ai déjà récupéré. Comment ça se fait que je suis déjà plein? C'est vraiment terrible, hein. Hey. Quoi de neuf, chef? Réveillez-vous, Gage. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, boss? Vous avez des choses à revendre? Vous pourrez jeter un œil à ce que j'ai quand on retournera à Newcatown. Hey! Putain, le mec n'a jamais rien. Qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vraiment les trois armures des trois connards là qui me pèsent une tonne là? Vraiment? Après, il est vrai qu'on en a tué quand même quelques-uns. Mais il le méritait avant toute chose. Vous avez besoin de moi? Ah non, j'ai plus besoin de toi, c'est bon. Bon. Bon, bon, bon. Après, je dis ça, vous allez me détester, mais. On a un épisode là, hein. En vrai, on a visité beaucoup de trucs. Si je veux pas que ça fasse un épisode d'une heure et demie ou deux, ça peut être sage de s'arrêter là. On pourrait faire ça, tout du moins. Je sais qu'il faut rien gâcher, chef, mais là. On ne gâche rien. Dissident là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, non, ça fait bien partie de Golfing. Ouais, ça fait bien partie de l'histoire. Intéressant. Ok, nice. J'ai envie de faire des trucs quand même, hein. J'oublie des choses comme ça, moi. Oh là 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 là. Je suis passé devant, hein, quand même. Hein. J'ai osé les oublier. Hein. Ça a l'air d'être bon. J'ai l'air de pas en avoir oublié d'autres que celle-ci. Enfin, j'arrête pas d'en voir à chaque fois que je me dis oh, c'est bon, j'en ai tout oublié aucune. J'ai tout zappé. Je cours jusqu'au bout. On m'en fout, je vais trouver les autres. S'il y en a d'autres, je les trouve.
Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On n'est pas maudit à ce point-là. Alors, j'ai dû fumer une gazelle par ici. Ça me permet de voir si votre enregistrement il est fluide aussi en fait. Désolé, hein, je fais deux choses en même temps. Je cherche la dernière gazelle que j'ai fumée. Bon, je peux une connerie ou deux parce que. Bon. Non, mais quand même. Bon. On a un peu de respect pour soi. Attends, en plus, ça c'est un parc que j'ai déjà fait. Hein. Ah non, c'est pas un parc que j'ai déjà fait. Ok, validé, validé. Ok, rien d'autre. Bon, très bien. C'est parti, à l'aventure, compagnon. Allons voir ce qui se cache ici. Bah, j'ai rien de sortir un fusil parce que je pense qu'il y a rien. Parce que vu depuis tout à l'heure, je cours comme un glandu, il y a des gazelles qui traînent. Il n'y a rien qui bouge, à mon avis, il n'y a personne. Hein. Ça ressemble à une lanterne, ça. Ça ressemble à une lanterne. Allez, on va chercher la lanterne d'abord. Ah, je suis désolé, le Golfing Rush, on va le faire en 15. Je suis désolé pour la personne, vraiment, s'il y a quelqu'un qui est venu juste pour voir le Golfing Rush, parce que j'aurais tagué, je ne sais pas, un truc peut-être, et qui voulait juste voir ça. Je suis désolé, c'est émietté, éparpillé. C'est pas un toit de maison, ça. Partout dans la montagne. Verre de sang luminescent. Bah c'est mort. Il y en a d'autres. Là il y a un légendaire doré. Il est mort. Il y en a d'autres. Allô. Mais c'est les bestioles. Mais même les grillons, c'est plus balèze. Genre l'autre, il était légendaire, luminescent, chromé, en armure lourde assistée. Je lui ai mis une balle. C'est lequel? C'est celui-là. Il est où le luminescent légendaire à qui j'ai collé une cartouche et il est mort? Un ou deux là. Putain, ça ressemble à rien en plus comme merde. Bah, gros, tu veux pas m'aider à trouver mon verre là? D'accord. Oh le Remington, c'est tellement d'amour ce pistolet. C'est tellement d'amour. Voilà. Larve de verre de sang légendaire. Alors après c'était une larve celle-là. Herborie, jambe droite, meilleure bon de résistance au poison de 25 points. En vrai, celui qui est parano, qui a une mauvaise expérience du poison, etc. Là, tous les trucs de l'herboriste là, t'as une défense au poison monstrueuse quoi. T'as un 7 de défense. Bon, on va être obligé d'aller voir ça. Bon, sinon, il y avait quoi ici? La boîte. Est-ce qu'on peut fouiller la boîte? Non, merci, ça fait plaisir. Hein. Coffre. Déverrouillé. C'est bon. Pas fouiller. Bon, très bien. Si on ne peut pas fouiller, on va aller voir l'autre truc chelou avec cette télé là. Allez. Je vous jure, avant la fin de cette vidéo, on finit la Golfing Rush. Il va où ce con? Mais reviens quand? Et quand? Et quand? Je suis fou.
trouvé quelque chose. Ouais. C'est un mec visiblement. Je sais pas pourquoi vous prenez ça. On va dire que vous savez ce que vous faites. Très honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je sais même pourquoi je ramasse 2 plateaux ou 3 plateaux débiles. Je dirais parce qu'il y a que ça à looter. Parce qu'on a fait tout ça comme tour pour 3 nukas débilos. Ouvrez la vie. Ninja! Perceur des cavernes. N'empêche d'ailleurs, on oublie trop souvent de le dire. Mais c'est quand même vachement moche, un grillon. C'est vraiment une sale gueule. Et il y allait se balader pas où ce compte grillon hein. Ce qui était monté, c'est abruti. Hein. La nuit révèle parfois des choses. Parfois on cache d'autres aussi. Je dirais même que ce qu'elle ne révèle pas, elle le dissimule. En son voile. Vrai obscur. C'est stylé, hein. Ça veut rien dire. Hein. Ou alors si vous trouvez un sens, vous m'appelez. Hein. Je déconne, ça avait un sens. Encore des gens, là. Je suis pas passé par là, en plus. Oh, j'en ai marre, je suis pas au bon endroit, j'ai rien à foutre ici, merde. Première vue, on a localisé qu'il y avait personne dans le... Mais c'est le parc ça. Là je vais rentrer dans... Ah non, c'est le fameux... J'ai peur, m'en vais. Là on va le faire, mais après. D'abord, je finis. Voilà, le truc nul. Ça là. Petite cabane. Et 2 petites cabanes. Et puis, on va aller jeter un œil. Désolé, hein, décidément, le parc, on le fera pas tout de suite. De toute façon, je suis déjà trop lourd. Alors, c'est pas plus mal. Ça me laissera le temps d'aller vider mon merdier. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je crois que c'était une. C'est une ruche à petit dard. Pardon. Le truc volait tranquillement en ligne droite. Hein. Et genre tranquille ou quoi. Derrière. Ah non, il campe au-dessus quoi, tranquillou. Mais moi je suis le patron. Bon bah nickel, j'aurais pas besoin de faire parcours pour aller le récup. Ça, ça me va, ça me plaît énormément. Moult bouteilleries, autres conneries diverses et variées. Ok, on va dire qu'il n'y a rien. De quoi réparer une armure assistée. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent full armure assistée? Autre que pour le fun, une mission de temps en temps, genre les missions de la confrérie. Oui, les missions de la confrérie, tu t'amuses à les faire en armure assistée, évidemment. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent genre full armure assistée, ou flingue ou marteau par exemple, je serais curieux de savoir. Génial. Je serais même curieux, bon après c'est dommage qu'on ne soit pas assez nombreux à la limite là sur la chaîne pour faire ce genre de truc, mais savoir quel pourcentage joue si furtif, qui joue armure,
combien joue en armure assistée, combien s'en pète les doigts, clairement. Dis donc, c'est où là ton bordel? C'est là, non? Bon, merci. Joli. Ah, le novice qui... c'est un novice qui nous casse les dents. Bon. Voilà, donc j'aurais aimé connaître cette proportion, on va dire. Proportion, plutôt. Ah, plus lucratif, bien sûr, hein. Je revendrai les informations et tout. Je ferai des milliards de dollars. Je ferai du mailing, wesh. Je déconne, calmez. Vous êtes calmez. Ça suffit. Un balai, putain, trop bien. Je vous ferai ce balai. C'était le balai de ma vie. Ça y est. Ok. Ah. Le mec il pense tout de suite à loot, il regarde même pas s'il y a un monstre dedans. Il y a pas de monstre. Il y a une borne d'arcade extrêmement dégueulasse. Il y a une armure assistée. Bon, bah comme ça. Une armure assistée plantée là, comme ça. Plantée d'armure assistée, tu vois. Faut planter là. Oh, le loot dégueulasse, ça m'intéresse énormément. L'eau c'est très intéressant. Oh, parce que c'est rare. Pas parce que c'est l'eau de la vie. Non. Parce que ça fait de l'XP avec tout ce qu'on peut craft avec. Craft un milliard de trucs avec. Tout craft. C'est la vie. On pourrait craft de l'eau avec de l'eau. Ça serait trop bien. D'accord. Donc armure assistée avec déjà une pile dedans. Ça c'est cadeau. Les gens vont pas vous faire chier avec un intérêt pareil. Tu m'étonnes. Comment ça, aventure safari? Mais l'autre il me fait découvrir des trucs, mais. Mais ils sont sérieux? Moi qui essaye de garder les découvertes de lieux pour le moment T où on fait l'épisode, etc. Bon bah je suis désolé, là. Là c'est capoute, là l'épisode il a décidé. Enfin le jeu a décidé que non. Il a décidé qu'on le découvrira en 15 éléments. À première vue, il y a une invasion de Ferreragor de je sais quoi, de conneries. Il y a une invasion de conneries. Ils ont été envahis par Bethesda. Au secours. Je ne peux plus courir. Quoi? Ah, je suis encore trop lourd. Nice. Trop bien, je suis trop content. Ma vie, c'est de la merde, c'est ça? Alors, bon, il fait nuit noire. On voit pas grand chose, mais bon. Allons à l'essentiel. Eh, ceci dit, c'est mon cadeau. Ça me fait plaisir. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Vraiment, voilà. En plus, il pleut même pas. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, c'est mon cadeau. D'accord. Donc, c'est une structure. Voilà. C'est haut, mais c'est bien. C'est quoi l'intérêt là, je vois pas là. Il y a une info que j'ai pas là, je vois pas l'utilité en fait. Donc je suis dans le parc depuis le début. J'ai même pas fait gaffe.
des ferrugators. La journée. Moi aussi, ils peuvent se pointer quand ils veulent. Là, j'ai la plateforme, j'ai la hauteur, j'ai la portée, j'ai la distance, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, ils viennent quand ils veulent. Vous avez vu, on les a nettoyés sans un bruit. Ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur est arrivé. Ils ont commencé à vouloir dire un truc genre chaussettes, on n'a pas compris, c'était louche. On a tiré dessus. Et par contre, faut que je reprenne mon souffle, parce que du coup, je suis en surcharge. Oh, c'est horrible. Oh, l'épisode d'une heure et demie. Vous avez le droit de me détester. C'est autorisé, hein. C'est vraiment. Vraiment. Là, vous avez le droit, c'est légitime. Cet épisode va être beaucoup. Mais beaucoup. Mais alors, quand je dis beaucoup. C'est qu'il va être beaucoup trop long. Ça va être bien. Moi j'y crois à bord. Oui, c'est un soleil même buisson. C'était un jouet. Youpi. J'ai trouvé un jouet. Je suis content. Content. Trouver un jouet. Pouvoir faire mieux muse. Pouvoir me m'amuser. Alors, des ferrugators, c'est ça? Ferrugators. Ouais, vous êtes comme votre cousin Korn, mais vous êtes la version Leader Price, quoi. Ça vous voulez dire. La version, c'est pas ouf. Alors, il y en a dans tous les sens. Hein. On va commencer par... Ouais, toi, je crois que t'as pas vu. Il n'y a rien à voir. Ensuite... Ils sont collés une cuite. Ah, tu t'es collé une cuite avant de te coller une balle. D'accord. Bon. Interrogatoire de l'AFD. C'est quoi ça? On peut pas faire jouer? Monsieur. Sitôt vu, toi, tu es monstre. Ami de Sitôt. Bien sûr, on peut être amis. Sitôt content. Sitôt a ami fort. Tu tues monstre seul. Monstre fort. Mais toi, plus fort. Sitôt content. Sitôt a vu toi, tu es monstre. Monstre blessé Sitôt et famille de Sitôt. Ok, bon, on m'appelle Grognac. Bon alors... Il pourra plus jamais te faire de mal maintenant. Non. Autre monstre, beaucoup. Toujours mal. Sitôt tue monstre. Nouveau monstre. Sitôt tue monstre encore. Nouveau monstre encore. Monstre toujours. Toujours. Tu aides Sitôt à arrêter monstre. Je ferai tout mon possible. Sitôt content. Tu aides. Nouvel ami, suis Sitôt. Sitôt montre truc pour aider à tuer monstre. Ah non, mais je veux pas te suivre tout de suite, mec. Alors, si tu veux, je suis en mission pour le Seigneur, là, donc... C'est-à-dire moi-même, tout à fait. Oui, c'est dans mes divers, il y avait un truc de l'AFPAD ou un truc comme ça, là. Il y avait mot de passe de l'AFPAD et il y avait autre chose, c'était une bande audio. Donc il y avait 18 machins. Ah, interrogatoire de l'AFPAD. Moi ça. Je vous en prie, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Faites pas l'innocent, Docteur Hein. On sait ce qui se passe dans votre laboratoire. Ouais, hein, on sait ce que vous êtes en train de faire. Tu vas la fermer, me laisser gérer ça, lapin. Désolé, Mike. Je voulais juste lui faire peur. Bordel, lapin. On a dit qu'on utilisait nos noms de code. Fermez-la, vous deux.
Écoutez, Dr. Hyde, on sait que Brad Burton vous fait conduire des expériences de clonage sur des animaux que vous enfermez dans cette chambre de torture que vous appelez un labo. Je peux vous assurer que nous traitons nos sujets avec le plus grand respect. Vous n'avez aucune raison de me séquestrer ici. Oh, c'est là que vous vous trompez, Dr. Hyde. Nous vous avons amené sur le site de construction de l'Anaconda en colère pour une raison précise. Comment un soi-disant scientifique peut être assez stupide pour laisser Brad Burton construire ce truc aussi près de là où vous gardez les animaux? Vous avez la moindre idée des dégâts permanents que ça va causer? Alors, vous le savez? Écoutez, détachez-moi et laissez-moi retourner au laboratoire. Je parlerai à Monsieur Brad Burton et je suis certain que nous allons régler ce malentendu en un rien de temps. Bien essayé, hein? Mais vous n'allez nulle part. Hé, Mike! Ingrid! Il se passe quelque chose dehors! Quoi, lapin? Je sais pas. Il y a des gens qui courent dans tous les sens. Peut-être qu'ils nous cherchent, peut-être pas. Ça a l'air d'être le bordel. D'accord. Lapin, reste avec le Dr. Hyde. Rouge-gorge, allons faire le tour du périmètre avec Souris pour voir ce qui se passe. Prends que ça tourne mal. Bon, je suis content d'avoir commencé par la fin. Oh là, il y en a partout. Regardez ça, quoi. T'es bugué, mon gros. T'es bugué. Oui, t'es bugué. Et je peux même pas t'abattre. Ah si, je t'ai flingué. Bah des os, bro. Ah merde. Ah bah... on dirait que je t'ai décoincé au moins. Côté positif. J'ai buté les cornback. C'est dommage, hein. C'est à peu près les seules bestioles sympas dans ce jeu. Rayon des cavernes. Wow, lui il est pas bio. Je les ai perdus. On va penser avoir une chance. Ok. Ah mais oui, mais pourquoi je panique? C'est vrai que je crains pas les radiations. Oh le mec. Oh, tu cailles. Ah, bonjour. Je prends ça, monsieur. On en aurait plus besoin. N'est pas marqué de la confrérie, celui-là. À qui est-il? Pas marqué. Ouais, faut en trouver ce truc, quoi. J'avais vu ça et une petite tente, voilà. Avec visiblement des terres anciennement cultivées, probablement. Parce que je trouvais ça vachement longiligne. Mais encore. Tout ce qu'on obtiendra, visiblement. Ah, fausse morille, une fausse morille de l'autre côté. Je vais la chercher. Encore une par ici. Tiens, petit élevage de fausse morille. De fausse morille. Ok, bah intéressant ce parc bordélique là. Oh, cet épisode est déjà trop long. Bah on va suivre Despacito là, hein. Ah putain, on va être obligé de tuer tout le monde, c'est chiant. Alors avant d'aller plus loin, on reprend un peu notre souffle. On aurait pu croire que c'était un dos de crabe.
reprend notre souffle. Ah, j'avais prévu de faire ça en surpoids, vraiment. Si ça tenait qu'à moi, je laisserais toutes ces merdes. C'est vous, boss. Exactement. J'ai fait un beat shot. Trop stylé. Devait y avoir des... Le grand spectacle d'Halloween de Nuka World commencera dès la semaine prochaine. Réservez vos places pour cet événement nocturne au guichet principal. Sors d'où lui ? Oh, on a atteint le niveau 123, félicitations. Prenons un niveau. Prenons un niveau pour fêter cela. Nous avons ajouté une deuxième représentation du couronnement de la reine Quantum. Consultez la brochure du parc pour plus de détails. Très bien. C'est très bien. Il n'y a plus vraiment de points qui m'intéressent. Tout est sympa. Une petite musique un peu exotique. Survivaliste de la meute. Café du Capi à Yucatan, USA. Je suis encore Despacito là. Ah. Visiblement, je suis plus. Visiblement, on fait une petite pause. J'aime beaucoup la petite musique. Très adaptée, je trouve. Vous avez perdu quelque chose ? Allez voir vos objets trouvés à la porte principale. Vos possessions vous seront rendues, moyennant une somme symbolique. $800,000. Une somme symbolique. Eh, le capitalisme, hein. Rien n'est gratuit. Ah, merde. Re petite pause café, hein. Très important. Spectacle de cascade dans le Far West. Ah ouais. On en est là quoi. On en est là surtout en termes de motivation. Pas de l'acteur, hein. Je parle vraiment du mec qui est au microphone. C'est vraiment le mec qui est au bout de sa life quoi. C'est. Suicide collectif. En cas de perte de vos lunettes Capi cachées, d'autres paires peuvent être achetées dans n'importe quel stand de souvenirs de nos parcs. Employé uniquement. Ouais. C'est pour les employés uniquement. On s'en fout. Votre attention, s'il vous plaît. Tous les participants au concours. Alors, on a dit qu'on fera la flotte après. Doivent signer la décharge de responsabilité avant de pouvoir concourir. En plastoc, hein. Ah. Non, mais non, il faut que je garde ça. Voilà, ça. Un grand couloir comme ça, c'était obligatoire. Je pense pas qu'il y ait quelque chose là-dedans. Honnêtement, je pense pas.
l'habitat des primates de l'aventure Safari. Intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien le voir. Torchon balai, d'accord, je pense qu'il y aurait éventuellement autre chose. Suite à la forte demande, nous avons un prix de cette couronnement de la reine Quantum. Consultez la brochure du parc pour plus de détails. À l'aventure, compagnon, hein. Oh, c'est le mode votre attention s'il vous plaît. Les représentations de début d'après-midi du fantôme du New Car au salon sont complètes. Des places pour celle du soir sont toujours disponibles. Ok. Petite planque vite fait comme ça. Très bien. Eh bien, allons voir le chef des primates. Je suppose que c'est ce qui vient de nous arriver. La Primate House. C'est parti. Maison. Famille. Qu'est-ce qui... Ne va plus jamais vous sonner à laisse ça. Pas. Amis de Cito, amis de famille. Comment se fait-il que ces gorilles t'aient élevé ? Cito très petit quand première famille meurt. Première famille ressemble à Cito. Cito pas mort. Marche, marche, marche. Trouve Zo. Trouve nouvelle famille. Nouvelle famille aide Cito. Donne nourriture, donne eau, protège Cito. Maintenant, Cito grand et fort. Cito aide famille à combattre monstre. Charmante famille, Cito. Gentil. Cito aime nouvel ami. Maintenant, ami aide Cito. Famille en danger, se cache des monstres. Ici, seul endroit sûr. Ici, pas nourriture, pas eau. Cito va dehors pour aider famille. Monstre essaye tuer Cito. Cito tue beaucoup. Monstre encore venir. Toujours. Cito a peur que monstre blesse famille. Ça va aller, Cito. On va s'occuper de ta famille. Cito aime nouvel ami. Cito a histoire pour aider à arrêter monstre. Cito mange avec famille. Homme ridé vient dans maison. Homme ridé blessé. Cito essaye d'aider. Homme ridé dit avoir créé monstre. Cito en colère contre homme ridé. Monstre blesse famille. Homme ridé désolé que monstre blesse famille. Donne Cito chose brillante. Dit chose brillante aide Cito à arrêter monstre. Cito essaye d'aider plus. Mais homme ridé meurt. Cito enterre homme ridé, mais garde chose brillante. Maintenant, Cito donne chose brillante à nouvel ami. Aide Cito. Journal 91W, écoutez le monde de McDermott. Ouais. Excusez-moi. Bah ouais, mais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le monde de McDermott ? Non, parce que ça les mecs... Journal. Docteur McDermott. Ici, le docteur Darren McDermott, dernier survivant connu de l'usine de réplication de l'aventure Safari. Ceci est mon dernier enregistrement. J'ai fait quelque chose d'horrible. La chose que j'ai créée, la chose que j'ai appelée Verrogator, il faut les détruire. Ils ne peuvent pas être apprivoisés. On ne peut pas les contrôler. Leur férocité pure est incomparable. Et maintenant, le réplicateur Newcastle... Newcastle est hors de...
produit à un rythme alarmant. S'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui, trouvez mon mot de passe ou celui du docteur Hein. Éteignez le réplicateur avant qu'il soit... trop tard. Et si cet enregistrement arrive jusqu'au docteur Hein, je vous en prie. Dites-lui de me pardonner. D'accord. Ok. On a un peu plus d'éléments. On sait qui a merdé. Message de Sito. Lire. Si vous lisez ce message, c'est que vous avez rencontré Marco Sito. Son père, Marcos. Enfin, Marcos. Parce que normalement, s'il n'y a pas, il y a deux S, mais bref. Est mort pendant une attaque de super mutants sur notre colonie. Et je crains que mes blessures aient bientôt raison de moi aussi. Le temps m'est compté. Je voudrais ne pas avoir à le faire. Mais je n'ai pas le choix. Il doit partir seul. Je vous en prie, donnez-lui de quoi manger et un abri pour survivre. Dites à notre petit Sito que ses parents l'aiment et que s'il nous cherche, il nous trouvera dans son cœur. La mère de Sito, Imelda. Si. D'accord. Non, mais ça, je le prends. Moi, je prends tout. Je suis un taré, je prends tout. Bon, alors, Despacito. Une chose importante. Donc, les ferrogators, les monstres, semblent venir d'une usine de clonage d'animaux quelque part derrière l'aventure Safari. Chose brillante, aide, nouvel ami. Oui, beaucoup. Il faut juste que je trouve cette usine de clonage. Sito a idée. Il y a longtemps, Sito voit homme ridé venir de Grosse Maison Triangle. Va à Grosse Maison Triangle. Trouve usine clonage. Arrête monstre. Sito vient avec nouvel ami. Sito aide. Tu ne pourrais pas convaincre ta famille de nous aider ? Chris, grand et fort. Chris aide nouvel ami et Sito. Ok. Maison triangulaire. Je pense qu'il s'agit du baraque avant tout. Ah. Ah bah il fait bon vivre là. Meilleur que tout à l'heure. Tout à l'heure il flottait, c'était dégueulasse. Non, il fait bon vivre. Comme c'est agréable, tout ça. Arrête de te barrer. Taf. Donc c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a beaucoup d'argent et qui trouve un moustique dans de l'ambre. Et il se dit que ce serait génial de ressusciter les dinosaures. Voilà. Je crois que c'est ça l'histoire, non? Ça y ressemble vachement. Ah, les toilettes publiques qui sont même pas faites, c'est cloisonné. Tristesse hein, parfois de ce jeu. Hein. Moi je me dis, les mecs en avaient marre de faire leur jeu. Quoi. Toutes les caisses sont vides. Ah, le mixeur. Là, on va pouvoir bricoler un truc ou deux. Avec un Nuka-Cola et un Nuka-Cola chéri. Ça, ça bouffe un Nuka raisin. Des Nuka chéri, Nuka wild. Nuka-Cola et un Nuka-Cola wild. Ok, ça c'est valide. Ça aussi c'est valide. Et après on part sur du free. Voilà. Et on s'est fait comme ça, un petit peu de knuck-knuck. Et donc bah, un petit peu d'XP quoi. Ok, il y a quand même les sous-sols de ce merdier, on sait pas trop où ça mène.
récupère mes tentes, ok, ça je prends. Allez, j'en ai trouvé une avec quelque chose dedans, incroyable. On va te la trouver ta maison triangle, calmez-vous. Ils font un bruit les machins, je te jure. Pouet, pouet, pouet. Oui, ça c'était vide. C'est bon. Là on arrive où? Entrée du parc. Ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup. Pas grand intérêt. Ok, c'est bon, admettons. Ouais, la petite musique de parce qu'on arrive dans le parc. Ok. Je suis passé devant. Hein. Non, je suis jamais passé devant. Je suis un sac. Je suis un sac. Et si, ça, je l'ai fait. Mais non, mais ça, je l'ai fait. Ça a été reject, c'est tout. Dites-moi que ça a été reject. Dites-moi que c'est pas moi qui pète un plomb. Peut-être en train de péter un plomb en fait. Voilà, fromage géante quoi. Alors, sa maison triangle. C'est ça que t'appelles la maison triangle? Je pense que c'est ça leur maison triangle. Nous sommes ravis de vous annoncer que les 10 premiers arrivants au spectacle de l'Ours Barry recevront une peluche Barry en cadeau. Ça c'est du beau... Non, ça c'est du beau pommade élevé à la radiation. Hein. Ah ça c'est beau. Hein. C'était balèze. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Le gros singe, un thug. Il pète tout. Il nique tout, il défonce tout. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Les représentations de 13h et 15h d'Oswald de l'Excentrique sont complètes. Il reste encore quelques places pour 17h. Il a tout vesqui. C'est pas fini. Et bah, ok, d'accord, il est parti aggro du monde beaucoup plus loin, quoi. Souvenez-vous de présenter le talon de votre ticket d'admission au parc pour bénéficier de 50% de réduction sur votre commande Nukafrit au Café du Café à Nukatown, USA. Tu ne sers à rien comme endroit? Si, peut-être. Ah, ah, ah. Bah non. Non. Je cherchais une utilité au truc, je me disais. Quoi, ça peut bien servir? Qu'est-ce qui me cache là-dedans? Rien. Ah, si, peut-être. Là, visiblement, au fond, il y avait une porte, un machin. Alors, c'est marrant. Alors, c'est marrant. C'est marrant. Attention, s'il vous plaît. Ces arbres de merde.
C'est que genre là ils ont fait un accès comme si t'avais un accès à la scène. Alors qu'en fait, bah non. En fait non, pas du tout. Je ne sais quoi et je ne sais comment y accéder surtout. C'est encore plus embêtant. Bon, on va faire le tour, on va faire le tour. On va prendre de la hauteur déjà. Alors, est-ce qu'on a, est-ce que ce jeu c'est de la merde et est-ce qu'on a mis un mur invisible? Ouais, mais non, je peux pas, je suis en surcharge, je peux pas sauter, je peux rien faire, je peux pas. Je peux que marcher. Eh bien, on va faire du parcours, on va suivre, on va visiter, on visite, hein. Cher parent, si vous cherchez une non, mais si le... toute la journée, la tête est blindée, c'est vite que je le vois. Voilà. C'est joli le bateau. Comme idée. Qui est le dernier truc que d'ailleurs que je n'ai pas découvert du parc, semblerait-il. C'est ça. C'est le seul truc qu'on n'a pas découvert. Employé uniquement. Recette du Nuka Hurty. Parfait. Eh ben c'est trouvé. C'est même plutôt bien trouvé. Votre attention s'il vous plaît. Les représentations de 13h et 15h d'Oswald de l'Excentrique sont complètes. Il reste encore quelques places pour 17h. Et nous, normalement, voilà, on est passé par là. Ok, très bien. Eh bien, allons voir ce bar. Comment on y monte? C'est où l'accès, par là? L'habitat des reptiles. L'habitat des reptiles. L'habitat des reptiles. Pas moi, Yoshi. Habitat des reptiles. Habitat des reptiles. Non, ça c'est Nuka World, d'accord, oui, de porte rouge. Moi je sais, je suis paumé. Trois portes rouges, je suis dit. Sitôt tu. Ici. Sitôt tu. Ok, bon, en gros, il reste bloqué un reptile à part eux, quoi. Ça sert à rien de s'accroupir, un saut de fer ne me sert à rien, voilà, 3 balles de 44, on est content, on est heureux. Ok, on peut passer par là, là il y a que Chi. Il dirait bien de faire pas de bruit, mais vous allez être incapable de le faire. Terminal des visites guidées de l'habitat des reptiles. Utilisez, vas-y, je tourne un œil là-dessus.
Procédure d'urgence. Dans l'éventualité où un visiteur serait mordu ou piqué par l'un de nos spécimens, ne paniquez pas et suivez ces procédures. Vérifiez que le visiteur dispose bien d'un ticket d'admission valide avec le règlement de responsabilité imprimé au dos. D'abord, tu vérifies s'il a son ticket. S'il a le bon ticket, hein. C'est-à-dire que s'il a un ticket enfant et que c'est un adulte, non, tu le laisses crever. Très important. Que dis-je ? Tu lui mets une amende. Appelle la police. S'il dispose d'un ticket valide, il doit immédiatement remplir un rapport d'incident de l'aventure Safari. Ces rapports sont disponibles dans les locaux de Nukataon. Si le visiteur est paralysé ou dans l'incapacité de se déplacer, informez-le qu'une civière d'urgence Nuka World peut lui être apportée pour 400$. Oh le degré de n'importe quoi. Monsieur, vous avez bien votre ticket, c'est bien, il faut que vous remplissiez un rapport d'incident pour qu'on puisse vous prendre en charge, monsieur. Donc il faut que vous dirigiez jusqu'à la ville centrale. Donc s'il y a personne, c'est bon, vous avez que 15 minutes de marche. Monsieur, allô, monsieur, putain, il est mort. Bah oui, le mec, il est mort entre deux. Hein. Voilà, c'est trop bien. Une fois le rapport d'incident de l'aventure Safari rempli, des soins lui seront prodigués. Le coût des soins et du médecin seront facturés aux visiteurs. Si le visiteur ne dispose pas d'un ticket d'admission valide, veuillez appeler la sécurité aussi vite que possible. C'est ça. Donc si le mec meurt, appelle la sécu. Enfin, si le mec se fait mordre et qu'il a pas de ticket, foutez-moi ça dehors. Ouais, les hashtags. Hashtag, bon, le 0700. 87. En raison d'incidents récents, les spécimens de vipères de la mort Mamba Noir et Taipan du désert ont été retirés de la zone de câlin des reptiles pour petit bout de chou. Putain. À l'avenir, les employés sont fortement encouragés à lire les avertissements sur les vivariums avant de transférer des spécimens. Ok. Merde. À tous les guides, arrêtez de dire aux visiteurs que les œufs de serpent seraient absolument délicieux en omelette. C'est tout à fait faux. D'accord. En raison de récents problèmes de sécurité impliquant le groupe AFAD, veuillez ne plus autoriser les visiteurs à manipuler un spécimen qui a été retiré de son vivarium pour l'activité touchant les reptiles. Les guides doivent garder le spécimen pendant toute la durée de l'activité. Ce stupide groupe de défense des animaux nous a déjà volé 3 reptiles extrêmement chers et nous ne pouvons pas leur permettre de nous en voler d'autres. Ah. D'accord, donc ils sont venus servir ici. Soit, très bien. Ah, j'ai gagné un Nuka parce que je suis descendu jusque dans la cave, c'est bien. Et ben, c'était cool. Voilà, hein. C'est ce qu'on retiendra. On retiendra que c'était cool. Wouh! Alors après ça me va, hein. Moi ça fait un parc un peu plus court que les autres. Enfin un peu plus court, c'est pas garanti, hein. Parce que on a vu qu'il y avait un souterrain hypothétique. Qu'on va aller voir du coup. Et la maison triangle qu'on a toujours pas trouvée. Il y a plein de choses qu'on n'a pas trouvées. J'ai pas trouvé le très gros ticket de rouleau, mais bon ça je suppose que ça sera dans la maison triangle. Ça c'est du pur décor là. Ça a l'air. Ça y ressemble étrangement. On verra ça après. Moi ce qui m'intéresse c'est d'accéder à cette place. Normalement on accède comment à cette place? D'accord, par l'escalier qui était là, sous lequel je suis passé devant deux fois, c'est ça? D'accord. Tout à fait. Et ben je l'avais pas vu. Tout va bien. Calmez-vous. On va trouver notre pognon. On va dépouiller tout le monde et on va massacrer tous ces connards de pillards. Oh les crocodiles, ça va. D'accord. Oui. J'ai adoré ça. C'est bizarre, pour une fois j'ouvre une porte de resto, il n'y a pas une seule bestiole pour m'accueillir. Je suis un peu dégoûté. Ah, c'était un nid de Radrat. C'était des bébés. La pute des bébés rats. Voilà. On a participé à détruire une espèce. Bon, ok, assez obèse de rats, mais.
une espèce quand même. Voilà, en détruisant le nid. Bravo, belle mentalité. Hein. Ah, c'est vraiment un jeu américain. Vraiment aucune considération pour la vie. Hein. Saloperie de ricain. Trop de méchanceté. Ah, c'est pas grave. Ça se reproduit tout seul de toute façon ces bestioles-là. Un Bramiluf. T'es sûr que c'est un Bramiluf ça? Parce que je crois que c'est juste ses pieds. Hein. Je crois qu'il reste que ça. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment autre chose. Ok, donc des faux chiottes encore. Des chiottes de la pure déco. Ok, bon, on a visité cette partie-là. Redescendons. On n'était pas censé venir ici à la base. Donc, ok, on descend, on descend. On arrive ici. Ça, c'est un faux bâtiment. C'est fermé. Ici, on peut monter. Oui, monsieur. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va. Calme-toi, ferme-la. Voilà, merci. Simple rappel. Luca Ward ne peut être tenu responsable des blessures reçues par l'audience lors de la comique cavalcade des colonnes. Ah bah merci. Musique de combat qui s'énerve pendant 15 jours. Non, c'est calme, il s'est rien passé. Si c'est zen. C'est le jardin zen. J'entends une vache. C'est rigolo. Donc là, on a l'escalier qui nous permet d'aller décrocher le drapal. On va mettre notre drapeau pour choisir qui ce sera. La Capi... Ah oui, la Capi House. Apparemment, on avait découvert ça. C'est un vrai labyrinthe et tout là. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. C'est chiant officiel. J'ai envie de faire le grand tour. Ça sert à rien de faire le grand tour, c'est un vrai labyrinthe. Bon, tout pété, mais tout claqué, mais c'est un vrai labyrinthe. C'est chiant. Ils sont en train de refaire le coup du labyrinthe gardé par le Minotaure avec une vache dedans, là, ou je sais pas quoi. Retourne-toi. Bon, merde. Ah, on y est. Allez. Au revoir tout le monde. Moi, j'ai pas fait gaffe, c'est un arbre géant en fait. Le mec qui regarde rien depuis le début de l'épisode. Eh, j'ai pas encore bu un café entier, calmez-vous. Ah, distributeur de médailles du parc. Voilà. J'ai la médaille. Ok, je suis médaillé, je suis trop goldé. Oui, voilà. Ah, c'est bien, on a gagné 6 XP, c'était rigolo. Yo mec, ça roule. Oh, ça ferait un petit QG. Moi, ça ferait un peu, tu vois, mon palais d'hiver. Parce que je suis un grand seigneur pillard. Voilà, mon palais d'hiver. Tu vois. Ici, ça me. Très bien. Parfait. J'aurais trouvé ça splendide. Moins glauque, moins bordel.
Le seul mec que t'as, bah, il est juste là, il te fait coucou. Bonjour. Ah, le rouleau de ticket, bien sûr. Allez. On se met bien. Là, on est content, là. Ah, là, c'est très bien, ça. Ok. Très bien. Oh, faut que je me suicide pour aller chercher l'iBot. iBot. Après, on a tout visité. Et ceci dit, tant qu'on est là, voilà, on peut checker ce qu'on a vu de ce qu'on n'a pas vu. Bah, il ne va nous rester que la petite baraque là. Voilà, on a la maison du singe. Il y a cette baraque là qu'on n'a pas fait là. Et après, ce seront les sous-sols, hein, parce qu'on a tout fait. Ça, là-bas, c'est une fausse maison. Le théâtre, on l'a fait. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il appelle la maison triomphe. J'espère pour lui que c'est ce qu'il appelle la maison triomphe, parce que sinon, je sais pas où c'est. Hein. Et puis, bah, il nous restera les sous-sols. Voilà, il pourra toujours laisser un sous-sol. Je pensais avant d'y aller. Je vais faire éventuellement un petit sous-sol. Tout ça. C'était là. J'ai dû faire tomber pas très loin un robot. Quelqu'un aurait-il vu un robot? Je suis pas allé tourner par là. Si, non. J'avais pas tourné par ici. J'ai abattu un truc que j'ai paumé. C'est pas grave. C'était pas un gros truc. Vous avez soif? Le salon de Doc Phosphat à Dryhorn Gulch pourra vous fournir un verre de Coca-Cola White glacé. Ok. C'est l'outil, ok, très bien. Newcaworld est ravi d'annoncer qu'une petite part de votre entrée sera reversée en soutien aux hommes et aux femmes qui se battent à l'étranger. Accueil d'aventure Safari, on verra bien. C'est le seul bâtiment qu'on n'a pas fait. Ok, bon, lui il est nettoyé, c'est bon. Bonjour. Voilà comment il... Voilà. C'est ça de picoler à Sam quand tu ramènes tout le monde. C'est pas beau. T'as trop bu. Encore un qui s'est retourné la tête pour le samedi soir. N'importe quoi, ça m'aurait dit. Sûr. Recette du Nuka Rush. Allez, ça fait plaisir. On trouve quelques petits éléments. Ça fait plaisir. Alors, je voudrais commencer par le plus vieux. De celui-là. Donc c'est le département des relations clients. L'aventure Safari accueillera ce mois encore les groupes scolaires dans notre parc. Suite aux malheureux incidents lors de la fuite des gros chats le mois dernier, nous demandons aux encadrants d'assurer la présence d'un adulte pour 6 enfants. De plus, veuillez vous assurer que si les visiteurs remplissent une décharge de responsabilité en cas de décès ou de démembrement. Toute question peut être envoyée au département des relations clients. Nous rencontrons des problèmes de sécurité avec le groupe radical LAFAD, l'association favorable aux animaux
et à leur défense, d'accord. Ces individus sont facilement identifiables à leur masque, aux nombreux tatouages d'animaux qu'ils arborent et à l'occasion à leur déguisement. Si vous les repérez, n'essayez pas de les approcher. Contactez le bureau ou activez le protectron le plus proche. D'accord. Toute livraison apportant l'indication projet Cobalt devra être transmise au laboratoire docteur Ez Soda sécurisé de l'usine de mise en bouteille du K-World. D'accord, il y a eu un petit bug je pense dans la matrice quelque part. Le personnel n'a pas autorisation à les manipuler. Tout employé qui ouvrira ses caisses sans autorisation sera immédiatement renvoyé. D'accord. Suite à l'incursion de l'AFAD dans l'usine de clonage, un code Grizzly a été initié. Veuillez transmettre les questions des visiteurs directement au bureau de Monsieur Bamberton. Le site de construction de l'Anaconda en colère est quant à lui fermé au personnel n'appartenant pas au département de sécurité. La superstructure est dangereusement instable. Nous souhaitons éviter tout accident à nos employés. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Les employés toujours d'abord. D'abord. C'est ce que disent toutes les grandes entreprises. Toutes les grandes entreprises qui payent leurs employés au SMIC, hein, bien sûr. Moi, ça a toujours fait marrer, d'ailleurs, ce discours. Non, on va faire un petit peu de politique économique, hein, si vous voulez. Hein, parce que, bon, à ce niveau-là, c'est est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est économique, on sait plus. Mais j'ai toujours trouvé ça rigolo que les grands groupes te disent toujours « Oui, on prend soin de nos employés, machin. » Vous ne faites qu'appliquer le minimum légal. Je veux dire, et vous vous battez pour que le minimum légal descende en termes de droits d'employés. Bon, et pour que le vôtre augmente, évidemment. Aussi, par la même occasion. Là, les mecs jouent sur deux fronts, ils ont pas le temps. Sito sait pas comment ouvrir. Manifeste de la FAD. Vous êtes fan. Attends, j'aimerais le lire le manifeste de la FAD quand même. On a du lore là. Mince. C'est dommage que d'ailleurs quand on ouvre un sac ou un coffre dans ce jeu, on n'ait pas le choix de faire lire directement le. De l'envoyer à la lecture, en fait. Quand vous le trouvez sur une table, l'holoband, vous pouvez directement faire jouer le morceau. Là, dans un coffre, vous pouvez pas, ce qui est dommage, parce qu'il faut remonter dans ces objets, voilà, et se faire chier à trouver manifeste. Voilà. Nous, membres d'AFAD, avons un message important pour ceux... Écureuil, explique-leur ce que notre nom signifie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en sortais bien, là. Dis pas juste AFAD, dis-leur ce que ça veut dire. J'essaie de faire quelque chose de sérieux, lapin. Et j'ai déjà commencé à enregistrer. On effacera ça de l'enregistrement plus tard. Dis-leur. D'accord. Nous, membres de l'association favorable aux animaux et à leur défense, avons un message important pour ceux qui provoquent la destruction de l'environnement. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que nos frères et sœurs animaux sont chassés jusqu'à l'extinction. Nous allons agir. Nous ne resterons pas sans rien faire alors que les grandes sociétés maltraitent nos frères et sœurs animaux au nom de leur soi-disant science. Nous allons agir. Nous ne tournerons pas le dos à... N'oublie pas de parler des animaux massacrés inutilement pour les manger. Mais tu sais que j'enregistre, pas vrai? Tu la vois ou pas la lumière rouge? Oh, pardon, écureuil. J'essaie juste de t'aider. Jette cette bande, on va réessayer. Et quand on aura fini, évite de jeter la bonne bande et de garder la mauvaise, comme la dernière fois. Mauvaise pioche, envoyez la mauvaise. Ok, la demande de rançon, donc. Attention, monsieur Bradburton, ou l'un de ses laquais. Nous avons essayé de le faire de la manière gentille, et vous n'avez pas joué dans les règles. Ah, vous êtes même allé jusqu'à nous bannir de vos parcs. Ah, vous êtes un méchant. Mais, cher monsieur, nous sommes dans un pays libre, malgré ce que les gros bourgeois pouvaient bien penser. AFAD va vous montrer que votre argent ne suffit pas pour acheter tout le contrôle que vous pensiez posséder. Nous retenons en otage votre scientifique le plus important, le docteur Hein. Juste à l'endroit où vous pensez construire votre précieux anaconda en colère.
Venez seul et nous pourrons négocier les termes de sa remise en liberté. Prévenez la police et vous perdrez votre employé vedette. Faites le bon choix, monsieur Brad Burton. Afan. Ok. Déverrouillez la porte de l'usine de réplication Nukagen. Déverrouillage de la porte. D'accord. Niveau de sécurité du site. Suite aux récentes alertes de l'aventure Safari, nous avons réévalué les niveaux de sécurité du site. Code Chinchilla, opération classique, aucune mesure de sécurité. Code Orang-Outan, protocole de sécurité minimum. Code Dingo, protocole de sécurité moyen. Code Grizzly, fermeture totale du site. Ah, il n'y a pas haute sécurité, c'est direct, on ferme le site. C'est chaud. Statut du labo, code Grizzly, le site est fermé par mesure de sécurité maximale. Les docteurs Heinz et McDermott, ainsi que Monsieur Brad Burton, sont les seuls à pouvoir accéder au laboratoire. Toute tentative d'incursion sera traitée avec la plus grande fermeté. Contactez LB Shelton au bureau de la sécurité pour plus d'informations. D'accord, bon bah c'est ouvert les mecs. Hein. Allez, on se roule les poules. Jamais venu ici. Eh ben, c'est pas trop tôt. Sito, c'est pas si tôt. C'est pas trop tôt, c'est pas si tôt. LOL, c'est pas si tôt. Chut, oh, t'es tenis, faites moins de bruit, merde. Quoi? Oui, oui, oui. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh. Faites moins de bruit, j'ai pas tout check. Faites moins de bruit, bordel de merde, j'ai pas tout check, j'ai dit. Oh, bon, ça a l'air cool en fait. Bon, allez. On se réactive une petite loupiote. Oh, des penches de sang, ça m'intéresse beaucoup. Quoi, avec un accent qui. Pff, j'en sais rien du tout. C'est arrivé, c'est comme ça, c'est passé. C'est comme ça. Dans ma tête. Ah. Oh. 47B, ça a l'air d'être avant. Jouez. C'est plus. Ici le docteur Darren McDermott, dernier survivant connu de l'usine de réplication de l'aventure Safari. Je poursuis mes enregistrements personnels. Cela fait... Mince, je ne sais plus combien de temps ça fait. Je crois que j'ai arrêté de compter les mois. Ou les années, peut-être. Même avec l'équipement scientifique à ma disposition, il est clair que je ne reviendrai pas à la normale. Les radiations des bombes ont laissé des séquelles sur mon corps, tordant et déformant mon apparence. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, j'ai accueilli le changement et je l'ai utilisé comme base pour mes nouvelles recherches de clonage. Peut-être que cette malédiction était en réalité une bénédiction. J'aimerais juste que le Dr Hein soit là pour me guider. Je me sens perdu sans lui. Ok, donc c'est devenu une goule. Joue-moi celui-là maintenant. Docteur Darren McDermott, dernier survivant connu de l'usine de réplication de l'aventure Safari. Je poursuis mes enregistrements personnels. J'ai continué à modifier le réplicateur Nukagen pour fournir de la nourriture. Quelle ironie. L'appareil que Nuka World utilisait pour créer des animaux de loisirs soit devenu indispensable à ma survie. En utilisant un échantillon de tissu de vache, j'ai réussi à réaliser un clone viable, à le consommer comme nourriture, et à utiliser le tissu restant pour en créer un autre. Je suppose que tant que le réplicateur Nukagen continuera de fonctionner, j'aurai une source intarissable de nourriture. Le docteur Hein serait fier de moi. C'est triste. Ça fait si longtemps que j'ai presque oublié à quoi il ressemblait. Mon Dieu, ça fait des décennies maintenant. Peut-être même un siècle ou plus. Vraiment, ça fait si longtemps. Je continuerai l'enregistrement plus tard. Ok. La gueule de ce gorille est vraiment dégueulasse. Enfin, le sourire, vraiment, la gueule bouche est vraiment dégueulasse. Bref, journal. Alors, le plus vieux. Regardez ça. Ça a l'air d'être ça.
Je crois que j'ai un petit peu trop bu la nuit dernière pour le réveillon. Je me suis réveillé à côté du terminal du réplicateur Nukagen et un programme était en cours. Apparemment, j'ai essayé de créer un fourmilier avec 16 pattes, de girafes, des écailles, 4 yeux et 2 queues. Et le plus amusant, c'est que malgré mon état d'ébriété avancé, j'ai failli créer un spécimen tout à fait viable. L'animal ne vivrait sans doute pas très longtemps, mais ma curiosité scientifique me pousse à essayer. Il faudra que j'en parle au docteur McDermott. Putain, le mec a eu des idées de merde à partir d'une cuite, hein. Bravo, hein. Belle idée, hein. Tout le monde sait que quand t'es cuité et que t'as décidé de révolutionner le monde avec des idées d'alcoolique, tu bois jusqu'à oublier. Ou jusqu'à mourir. Mais tu bois pour... c'est pas une bonne idée. Bref, 2707, ces imbéciles de la FAD ont remis ça. Il y a quelques semaines à peine, ils ont vandalisé ma Corvega en la remplissant de purin et le département de la sécurité m'avait assuré que ce serait la dernière fois qu'ils mettraient les pieds à Nuka World. Mais aujourd'hui, en arrivant au complexe, un splendide stop à la torture était peint sur la porte de sécurité. Je ne sais pas pourquoi ces abrutis pensent qu'on torture les animaux. Toutes les créatures qui servent pour nos tests sont traitées d'une manière aussi humaine que possible. Et mais aussi humaine que possible, en sachant que déjà, utiliser le mot humain pour valoriser... Bref, le traitement des gens, ça reste compliqué. Mais admettons qu'effectivement, humain soit une valeur et non pas un défaut. Le plus humaine possible ne veut pas dire que pour autant c'est humain. Ça veut dire qu'on essaye de faire au mieux possible. Mais bon, s'il faut le disséquer, faut le disséquer. Et s'il faut le disséquer vivant, bah faut le disséquer vivant. Et si pour ça, faut pas l'endormir ou l'assommer parce qu'on a besoin de voir ses réflexes ou comment est conditionné son organisme, c'est-à-dire savoir réellement comment il fait la créature, on aura beau être le plus humain possible en se disant « Oh putain, c'est dommage, ouais, bah tu l'as quand même désossé vivant quoi. » Ça veut rien dire. Grâce à l'aide du docteur McDermott, j'ai pu isoler les problèmes de segmentation que j'avais avec PB041. Les ours polaires du dernier segment n'arrêtaient pas de sortir à l'envers du réplicateur Nukagen et finissaient par exploser. Je pensais qu'il s'agissait d'une séquence incorrecte, mais je n'avais jamais vu de réaction si violente chez un spécimen. C'est même un résultat sacrément spectaculaire, d'un point de vue strictement scientifique. Non, ça on l'a vu. Tactique, entrée du journal du 19-09-2077. Ma troisième requête pour obtenir une augmentation de budget a été refusée car les fonds sont tous redirigés vers ce fameux projet Cobalt dont j'entends tant parler. J'espère que Brad Burton réalise que l'aventure Safari n'est pas qu'un parc de divertissement mais aussi le foyer de plusieurs centaines d'organismes vivants ayant chacun des besoins alimentaires, aquatiques et environnementaux spécifiques. J'ai demandé plus d'informations sur le projet Cobalt mais on refuse de m'en donner. J'espère au moins qu'il en vaudra la peine. 23-10-2077. Il est presque 1h du matin et je viens de recevoir un message étrange sur mon téléphone indiquant que je suis attendu au site de construction de l'Anaconda en colère pour soigner un animal blessé qui s'est échappé. Franchement, ces types de la sécurité sont des brutes avec nos spécimens. La dernière fois, un de nos buffles a fini avec une patte cassée et un autre est mort lorsque la sécurité lui a administré le mauvais dosage dans une fléchette tranquillisante. Je noterai mes découvertes dans ma prochaine entrée. Ok. La prochaine entrée que tu ne feras pas du coup puisque tu es mort Jean-Claude McMerton bidule. Ou machin. C'est toi qui vois. Alors, terminal du docteur McDermott. Du coup c'est un peu le mec qui nous intéresse. Alors on a des chiffres dans tous les erreurs date inconnues. Oula. Oula, oula. Et ben, on va commencer par le début qui sera sans doute la fin. Mes tentatives pour créer un ferrogator continuent. J'ai mélangé les bons échantillons de caméléon et d'alligator. Mais rendre l'échantillon Q334 stable est pour l'instant impossible. Si je veux créer un gardien pour l'aventure Safari, il faut qu'il puisse entendre et comprendre mes instructions. J'aimerais que les cellules cérébrales de Q334... J'espérais que les cellules cérébrales feraient l'affaire
Mais j'essuie l'échec sur échec. J'essuie l'échec sur échec. J'hésite à appuyer sur le bouton et voir ce qu'il se passera. Et si je n'arrivais pas à le contrôler et s'il ne faisait qu'attirer un peu plus l'attention sur le parc, je vais revérifier la séquence ADN une fois de plus. En cherchant des provisions et de la nourriture aujourd'hui, je suis tombé sur les restes d'un spécimen biologique passionnant. Il avait une apparence humanoïde, mais beaucoup plus grosse. Et sa peau était verte. Il portait des vêtements et semblait avoir été tué récemment par balle. Après l'avoir ramené au laboratoire, j'ai commencé un examen plus approfondi. Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un humain ayant subi une mutation génétique. Ce sont les super mutants. J'espère que j'arriverai à extraire ce qui a provoqué cette mutation extraordinaire afin de pouvoir l'utiliser dans mes propres travaux. Je vais le baptiser échantillon Q334. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Parce que les gros vers... Bon, à part effectivement pratique dans Fallout 4, on leur casse le cul. Dans le Fallout 4, on leur casse le cul, mais dans Fallout 3, les seigneurs de guerre super butants avec le minigun laser, c'était quand même ce qui déconnait le moins en fin de jeu. Bref. Autre jeu, autre temps, autre mœurs. Bref. Enfin, dans le lore, c'est quand même ce qui est à peu près de plus dangereux, hein, les super butants en vrai. L'un des deux générateurs de secours du laboratoire a grillé aujourd'hui. Il n'en reste donc plus qu'un pour alimenter le complexe. S'il tombe lui aussi, il faudra sans doute que je détruise le réplicateur nucagène et que j'abandonne le labo. Même si j'aurais pu le faire il y a bien longtemps, cette machine est sans doute la dernière existante sur Terre. Elle pourrait donc représenter le seul espoir de l'humanité de repeupler notre planète avec des animaux et de réinitialiser l'écosystème une fois que la vie à la surface sera de nouveau possible. Combien de temps depuis les bombardements? Depuis qu'ils ont fait de moi cette coquille vide, je ne me souviens même plus. Je commence à parler tout seul, la solitude prend le dessus. Je n'ai pas croisé un humain amical depuis si longtemps. J'ai presque oublié ce que ça faisait. J'ai de plus en plus de mal à me concentrer sur mon travail. Il vaudrait peut-être mieux en finir. Mais qui protégerait ce laboratoire de ceux qui veulent exploiter ses trésors? Je n'ai pas le choix. Cela fait maintenant des décennies et ma métamorphose continue, mon corps change, il s'adapte aux radiations. Au lieu d'assister à la mort de mes organes et à mon décès progressif, mon corps réagit et se bat. Ma peau s'est flétrie et fortement ridée, comme pour empêcher les radiations de pénétrer mon corps. Au lieu d'être horrifié par ces changements, j'ai décidé de les étudier pour en savoir plus sur leurs effets sur le corps humain. J'utiliserai peut-être ces données un jour pour concevoir un traitement. Mais pour l'instant, je suis simplement heureux d'être en vie. Ah, c'est vrai qu'avec ceci dit, un taré comme lui, il y avait quand même moyen de faire un gros truc. Hein. Quand même moyen qu'un taré comme lui nous trouve une solution pour les ghouls. Aime pas ici. Petit. Non mais c'est bon, on t'a vu, on t'a entendu. Moi je voulais pas trop aller par là tout de suite quoi. On a peut-être dû aller voir l'autre usine. Il est où l'autre croco? Il est là? Ah bah il est là. Les mecs sont quand même pas fait chier. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Un albinos. Il a une drôle de couleur celui-là. Bon, je vais lui mettre une tête hein, parce que t'es un peu loin gros hein. Ok. Oh le bâtard, sa tête elle est derrière le... Pas le meilleur choix. Ah, le nombre de balles que j'ai gaspillé, bande de salauds. Et tous ces points d'action que j'ai gaspillé pour vous, salaud. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les mantats. Du ventilo, ça fait plaisir. Toujours les ventilos. Ventilo, c'est que du plaisir. Des radeaux, ok, c'est cool. Et ben, je crois que les égouts que je voulais visiter, je crois qu'on les visite déjà. Hein. On peut pas se mentir, hein. Je crois qu'on est en plein dedans. Je pense qu'on va remonter avant d'aller plus bas, parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de choses ici. Alors, faisons un tour vite fait. Parce que si je remonte alors que. Il y a un deuxième rouleau de tickets? Bah dis donc, quelle générosité incroyable dans ce parc. Au
Ça a pas besoin d'énergie, ça tournera. Faut toujours prendre sur le service général, voilà. Donc là on a un terminal de machine de réplication du Kagen. Il faut le mot de passe du Dr Ayn pour ça. Journal 69H du Dr McDermott. Allez vas-y, fais tourner. Fais tourner. Le Dr Darren McDermott, dernier survivant connu de l'usine de réplication de l'aventure Safari. Je poursuis mes enregistrements personnels. Je me suis aventuré dehors aujourd'hui. Et j'ai failli être repéré par un groupe de récupérateurs qui avait réussi à entrer dans l'aventure Safari. Par conséquent, même si je sais que c'est une mauvaise idée, je vais essayer d'assembler quelques-uns des échantillons les plus dangereux qu'il me reste. Je dois utiliser le réplicateur Nukagen pour créer un spécimen redoutable, mais apprivoisable. Quelque chose qui pourra me protéger, mais surtout, protéger cette usine. Travailler avec la chimie et les mathématiques des données sera long. Mais je suis sûr que je peux créer un spécimen viable d'ici quelques années. Je sais que le Dr Ayn se serait opposé à cette action. Mais il n'est pas là. Et je ne peux pas laisser cet équipement tomber entre de mauvaises mains. Ok. Donc c'est après avoir vu un pauvre groupe de récupérateurs. Bon, les récupérateurs, il y en a des méchants, il y en a des moins méchants, bon, c'est comme tout quoi. Voilà, moi j'ai le mot de passe. C'était chaussette. Désactiver les procédures de réplication. C'est fait. Historique, McDermott. Le sujet a survécu à la période d'incubation, mais il semble très lunatique et agressif. L'injection de cycle de reconnaissance de contrôle s'avère impossible. Recommandons la destruction du sujet et un nouveau séquençage après une période d'étude en isolation. L'échantillon Q334 continue d'être instable et imprévisible. Le sujet n'a pas survécu à la période d'incubation. La décomposition cellulaire s'est produite au bout d'une heure de séquençage. L'échantillon a été incinéré. La formule du projet essai du prochain essai sera ajusté à partir d'échantillons Q334. Le sujet a survécu à la, à la période d'incubation, mais il présente des niveaux de radiation ionique extrêmes. La contamination rend le sujet trop dangereux pour des cycles de reconnaissance de contrôle. L'échantillon a été incinéré. La formule du projet du prochain essai sera ajustée à partir de l'échantillon Q334 et fournira une meilleure protection à la chambre de segmentation. Bon. Enfin, il l'aime bien leur Q334, hein. Il fait là lui. Ah, on se prend un rush de ferro de péruvien là. Reste un. Reste plus qu'un à trouver. Bon, on va le trouver, je pense, là-haut. Hein. Est-ce qu'ils vont ? Pourquoi ils vont là-bas ? Vous allez là-bas. Vous êtes un peu salé, je crois. Hein. J'entends grogner, je crois, mais. J'ai l'impression, peut-être. Et si oui, il vient de là. Non, il vient pas de là. On va sortir en extérieur, on va le trouver, on va le trouver. Oui, ah putain, c'est vrai que ces portes là c'est toujours une histoire. Ouais, youpi. Sortir par la porte qu'on nous a offert. Je tends l'oreille, hein, excusez-moi, parce que s'il y en a dans le bâtiment, ça m'emmerde de sortir et courir dans tout le parc.
nous attend juste là. Ça nous arrangerait tous. Ça nous arrangerait tous, mais genre grandement. Ah, petite musique d'ambiance du parc, le retour. Allô, le jeu ? Ah, un doute. Un doute, la saille. Eh ben, en tout cas, on aura tout visité, quoi. Les premiers arrivants au spectacle de l'ours Barry recevront une peluche Barry en cadeau. Ouais. Bon, faut trouver le dernier gros con. C'est parti. Tour de piste. Et c'est parti. Est-ce que j'ai une arme qui fait un peu de bruit sur moi? Ça m'arrangerait. Oui. Alors un truc qui fait moins de bruit. Je fais de la merde. Ah, attends, ceci dit. Aventure safari. Un nettoyage du parc. Bah voilà. Bah voilà. Est-ce qu'on a le dernier? Oui, le dernier était donc bel et bien à l'intérieur. Bravo. Je me déteste. Non, c'est pas ça. Il est où ton dernier là? Tu m'emmènes où? Ah, une porte au nord. Oh. Attendez. Soit est-ce que je prends mieux comme ça. En FPS. Qui dirait l'autre dans le milieu. Hop. Eh, tu veux pas. Voilà pourquoi je déteste les barrières qui t'empêchent de sauter dans un jeu. Oh, par contre, je suis genre ultra léger là. Bon, je nage ultra vite. L'eau, c'est bien pour se déplacer. Il y a un truc que j'ai pas vu par là. D'accord. Nuka World est fier d'être le seul endroit de toute la côte ouest à servir de Nuka World. Ouais, mais non. Ah, un nounours. Important. On a fait vraiment un tour pour un nounours. Ouais. Ouais, on trouvait ça vachement important. Oh, j'avais pas fait attention, mais du tout. La grotte de Durs. De Durs. Enfin, de Heinz, je ne sais quoi. Ce combat est sans aucun doute extrêmement intéressant, mais... attention que c'était un enclos de nonoche. J'espère qu'il y a quelque chose d'utile ici. J'espère aussi. Sinon on aura fait le tour pour rien. Mais visiblement oui. On n'a pas fait le tour pour rien. On reprend un peu notre souffle. C'est bon. On peut bouger. Ok. Ok, c'était l'enclos du nonoche quoi. Le plus vieux, je sais pas. Aujourd'hui, on m'a envoyé dans les habitations nord pour nettoyer le vomi d'un enfant qui avait trop mangé. Bizarre qu'il m'ait encore choisi, moi. À mon retour, Tom Alson et Fremke discutaient tranquillement autour de la table de repos. À mon arrivée, ils m'ont regardé nerveusement et se sont levés et sont partis. C'est sûr, il se passe quelque chose ici. Fremke s'est fait porter pâle aujourd'hui et j'ai dû changer les lampes de l'habitat des reptiles. Ça m'a pris quasiment 6 heures car l'endroit est très peuplé. Je remettais l'équipement à sa place dans le cabanon de maintenance quand j'ai vu Fremke et Thomalson dans la voiture de Fremke. J'ai vu Fremke lui tendre quelque chose, puis Thomalson est sorti et s'est éloigné. Il faut que je tire ça au clair.
J'ai décidé de placer une holobande dans le casier vide à côté de celui de Fremke. Je n'ai rien obtenu pendant des jours, mais j'ai fini par toucher le gros lot en tombant sur une conversation entre Fremke et Thomalson. Ils discutaient d'un certain projet Cobalt. J'ignore de quoi il s'agit. L'équipe d'entretien n'est jamais informée des trucs importants. Pourquoi m'exclut-on de la sorte? Les ordres de travail s'empilaient, mais je n'en pouvais plus d'attendre. J'ai fini par coincer Fremke pour l'interroger sur le projet Cobalt. Il a d'abord essayé de me mentir, mais il a fini par me dire qu'il s'agissait d'un projet collaboratif entre l'armée américaine et Nuka World. Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce qui pourrait bien intéresser les militaires chez nous? Il fallait que j'en apprenne davantage. Fremke m'a dit de laisser tomber, mais qu'il aille se faire foutre, qu'il aille se faire voir. Excusez-moi, je suis mal poli. J'en parlerai à Brad Burton en personne s'il le faut. Oula, fort mauvaise idée. Fremke. Cela fait 2 semaines que Ross m'a posé des questions au sujet de Cobalt. J'ai dit à cet idiot de laisser tomber, mais il ne m'a pas écouté. Notre département a soudain appris que Ross avait pris des vacances non prévues et personne ne semble savoir où il est allé. On me demande maintenant de supprimer son terminal avant fin octobre. Je répugne à l'idée de tout effacer et je n'ai pas le choix. Si je n'obéis pas à la requête du département de la sécurité, je risque moi aussi de devoir partir en vacances. Ah, c'est... Eh les mecs, vous bossez pour le SMIC, moi je préfère, tu vois, aller me prendre une canne à pêche et aller pêcher dehors comme un vieux schlagas des morts. Hein. Un vieux... crever la dalle dans une cabane plutôt que de bosser dans des ambiances comme ça. Hein. Déjà, pour bosser pour des sociétés comme ça, j'avoue, faut avoir du cran. Même comme balayeur, hein, je veux dire, moi balayeur à Disney, ça va qu'ils prennent globalement des étudiants, mais... Non quoi, juste non. Juste c'est pas possible. C'est pour les mégas corporels du fou rire, bref. Il faut que je parle à un des deux ou il faut que je parle aux deux là? Attendez, je fais une petite save vite fait. Despacito. Nouvel ami fini. Plus de monstres. Et il ne devrait pas revenir. Ta famille est en sécurité, Sito. Sito très content. Comment Sito remercie une nouvelle amie? Des amis à moi arrivent, mais si tu la joues cool, on peut s'entendre. Tu penses pouvoir faire ça? Sito fait confiance. Sito aime plus de nouveaux amis. Avant que tu partes, prends nouvelle amie. Mieux que chose brillante que Sito garde, Sito veut donner. Merci, nouvelle amie. Sito se souvient de toi toujours. Cogneur brillant de Sito. Les coups critiques remplissent vos points d'action. Mais il utilise même pas ça comme arme. Genre il utilise une vieille planche toute pétée. Mais ça c'est stylé. Alors ça c'est stylé. Par contre lent, c'est dégueulasse les mecs. C'est une batte de baseball, ça devrait être du rapide. Après voilà. Ça a l'air cool comme objet. Donc mais je suis pas un spécialiste du... Qu'est-ce que j'ai? Il y avait un truc que je pouvais ramasser. Qu'est-ce que c'est que cette merde? What is this fucking connery? Bref. On retourne au drapal. On change le drapal. Moi je vais aller récupérer mon armure assistée hors cam, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous laisser tranquille avec ça. Et puis on sera... Qu'est-ce que quoi? Vous l'avez vu ce buff tomber du ciel? Si vous ne l'avez pas vu, faites un léger retour en arrière. Quand je traverse le pont, on voit au loin un cadavre qui tombe. Très loin, je pense que c'était un Bramulf ou un truc similaire. Bref, c'était très rigolo. C'était New pas ici. Ah non, ça c'était l'espèce de... Arrêtez-vous au café de Capi pour goûter les dernières délicieuses saveurs. C'est où? Ah bah c'était juste là en fait. Non, il fallait continuer dans le... Pff, je suis un monstre. L'annonce du parcours. Bon, la meute. Allez, c'est payé pour la meute. Et bien sur ce, je vous remercie. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour Fallout 4 avec cette foutue aventure Safari.
Et Jean, merci, je vous dis à la prochaine. Disponible pour les visiteurs égarés au guichet du parc aventure Safari pour seulement $35. C'est trop cher.